Dans ma communauté, là, on va aller manger parce que la vérité, je commence à me sentir très affaibli. Je ne sais pas où on va manger, on suit Alex de toute façon. Et voilà, pour le rebooster, et même il y a le jet lag. Je commence à avoir un coup de fatigue. Donc on va manger pour reprendre de force. Ils sont souriants, les Chinois. Ah non, moi j'aime trop. Hein. Non, ils sont gentils en vrai. Ils sont trop gentils. Non, moi je peux pas, moi je suis très calme. Aïe, j'ai tombé. D'un coup, il commence à pleuvoir, ma communauté. Ça y est, ça s'est arrêté. Là, ouais, tu vois. Ah, moi, je me méfie. Hein. Faut qu'on regarde bien où on mange. Hein. Ah, voilà, tu vois, ça a l'air correct, là. Hein. Ah oui, je préfère. Moi, je mange ici. Hein. Là-bas, ça faisait trop peur. Il n'y a que des frites, des oignons rouges, des hamburgers. Ouais, mais c'est bon. Moi, frites et oignons rouges, ça me va, moi. Moi aussi, ça me va. On a le temps, on a beaucoup de jours pour manger chinois. Maïba, on a beaucoup de jours pour manger chinois. Ça fait peur ici. Ça fait peur ? Et là-bas, ça te faisait pas peur? Non, moi, je suis très faible, très fatiguée. Allez, regardez. On est monté sur le scooter. Tiens, je peux faire cette moto. Moi aussi, plus le parapluie sur la moto, regardez. Vous voyez ou pas? Je suis très faible. Vas-y, monte. Chanatagne. J'ai Chanatagne. I'm Chinese. Attends, attention, je tombe en arrière, moi. Ah, chez toi, moi. Doucement. Ah, moi, je veux visiter comme ça la Chine. Avec les scooters. Ah non, c'est trop bien. Je suis très faible, moi, très fatigué. Par contre, j'ai envie de vomir là. Parce qu'on n'a pas mangé, il faut qu'on va manger là. J'ai mal au cœur moi aussi, il faut que je mange. Mais j'ai peur, moi, j'ai pas envie de tomber malade. J'ai vu une vidéo TikTok où une fille pleurait. Elle a dit faites attention à la bouffe chinoise. Aïe, c'est le bordel des embouteillages ici. Aïe, doucement. Oh, aïe, Slona. C'est une taille, chan. Aïe, il a une. Oh non. Yes, Aya. Aïe, doucement. Ma communauté, moi, excusez-moi, vous savez que je suis transparente avec vous, je dis la vérité. Moi, j'ai trop peur. On voyait pas le McDo, mais là, on a pas le choix. On n'a pas le choix, ma communauté. Ils ont peur, moi, je peux pas. J'ai pas envie de tomber malade. Voilà, je montrerai pas, mais je préfère vous dire, je vais manger les fiches. Ah non, moi, je peux pas. Je peux pas, j'ai peur, je tombe malade. Hein? J'ai une chance d'être ici. Et si pour que je tombe malade, je reste au lit, c'est pas la peine. Hein? Non, moi, je veux un truc sûr. Je ne cache pas, dans n'importe quel pays où je vais, voilà que c'est pas chez moi en France, s'il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Moi, je peux pas. Je suis très affaibli, ma communauté. Je sors là d'une crève. Moindre microbe, le moindre truc. Je peux pas, j'ai trop peur. Non. Voilà. Comprendra celui qui voudra comprendre, celui qui ne veut pas comprendre. Eh ben, je peux rien y faire. Voilà. Par contre, on a dit à Alex de nous regarder des restaurants chinois, mais sûr, voilà, pas les petits premiers trucs là qu'on voit, on rentre dedans, on mange. Et non, moi je prends mes précautions, hein, la vérité. Hein.
Voilà, donc vu que c'est le premier jour, voilà. Mais la prochaine fois, ça sera un restaurant chinois parce que voilà, on est en Chine, on veut, voilà, on veut découvrir leur culture, leur nourriture et tout ça, mais pas dans le premier qui passe, non, non. Hello. Hi. How are you? How are you? Ils sont trop gentils les Chinois, moi ça je les aime. Mais comment tu danses dessus? Vous savez ici, ceux qui font la manche, ils ont une application et ce Changan s'entend de l'argent. Il est le billet. C'est Changan. Muslim ? Ah mon chou. Moi je suis très faible, très fatiguée. Vous savez ma communauté, j'arrive à me faire comprendre. Hein. Le Changan en Chine. Je vous jure que les Chinois ils sont trop gentils. On attend quoi ? Là c'est le mall pour ben, tout ce qui est shopping. Regardez-moi cette pépite, s'il vous plaît. Communauté, s'il vous plaît. C'est trop stylé. Communauté, ma tête, elle tourne, les vêtements. J'ai pris un ensemble. Nous avons connu. Il dit ici, il parle chinois couramment. J'ai son téléphone bien avançant. En vérité, je me sens trop bien en Chine. Vous savez pourquoi? Oh, c'est quoi ça? Non, pas vraiment. Ouais, ils sont gentils. Ah, moi je vous dis la vérité, hein, ma communauté. Bon, ma communauté, je vous dis la vérité. Moi, du moment qu'on me sourit, ah ben bon, je suis contente. Incroyable, vraiment. Très faible. Ça se voit que tu l'as offensé, Maïva, en ressortant en public les défauts de ta copine. En vantant que faire mieux, je comprends pas. Au lieu de dire, Maïva, tu devrais faire attention à tes valises. Je t'ai offensé? Arrêtez un peu, arrêtez. Aux valises, parce que je sais qu'elle les paye une blinde. Elle les paye une blinde et elle est jument foutiste. Je suis très fatiguée. Bon, t'es pas la seule qui dort de travers. Hein. Coup de cœur. Je vous mens pas. Coup de cœur. Elle veut faire ça avec le Pounce. Qui est trop mignon. Elle, elle vit à Dubaï, moi je vis à Marseille. On veut vous voir plus souvent ensemble. On vous kiffe toutes les deux. Nous aussi on vous kiffe. Ouais. Comment ils font les jeunes? Attends, on va le faire. Non. Ça, non, mais ils ont un truc comme un autre endroit. Ok. Ah, pour ça. Oh my god! Mais c'est ça que je cherchais! Attention, hein! Regardez ma communauté comme c'est magnifique! Ah, il va m'écraser! Ah, je suis très faible, moi! C'est magnifique! C'est mon univers là, j'aime trop! J'aime trop! La chanson chinoise! Je vous ai ramené à l'épicerie d'à côté là. Non, je préfère. Ah non, mais je kiffe. Regarde la casquette rose Barbie. Si j'en veux. Regardez, regardez sa dégaine, j'adore. And the beautiful is the good and very nice. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? C'est le monde de Barbie. Ah, regardez. Regardez ce qu'on a pris pour charger le téléphone. On fait notre petit panier.
Regardez. Regardez toutes les conneries qu'on a. Regarde. On dirait un temple. Regardez comme c'est magnifique. J'ai la vérité, je suis émerveillée. Attends là. C'est canon. Ah mais c'est un temple. Regardez, ils font la prière. C'est quoi les kambolos? Tu connais pas? Non. Les filles. La pomme d'amour. Ma communauté, on vient de rentrer avec Maïva. On n'avait plus de batterie. Et ouais, toute la journée, on était là en train de snapper. Franchement, on a passé une trop bonne journée. Franchement, Alex, il a grave assuré. Là, ce qu'on va faire, on va se laver. Je vous montre. Hein. On va se laver, on va se faire manger, on va se faire monter à manger. Moi, je peux plus, je tiens plus. Il voulait nous ramener manger au restaurant. On a dit, franchement, on n'arrive plus. Vraiment. Donc là, par contre, ils m'ont bombardé pour les brumes. Je vais vous envoyer le code parce que vous avez tout demandé le code promo. On va rattraper nos prières et après, on est à vous. Ok? Vas-y, Salia. Ma communauté, avant d'aller me doucher. Bon, ma communauté, là, ce qu'on va faire avec Maïva, on va vous faire un haul de tout ce qu'on a acheté. Voilà, des vraies gamines dans cette boutique. C'est un truc de fou. On va tout vous montrer, on va tout vous déballer. Et on me pose des questions en me disant si c'est cher ou pas ici. Ah non, c'est vraiment pas cher. Non. Non. C'est pas cher. On fait le haul ? Allez. Allez, c'est parti. On vous montre tout ce qu'on a acheté avec Salia. Bon, toi, déjà, t'as ouvert ton Tamagotchi. Ouais. Moi, je l'ai pas ouvert. Elle va l'ouvrir. Je vous explique, hein. Son bébé va bientôt mourir. Non, je l'ai fait dormir. Là, il redort. Ah, ben, on va le laisser dormir parce qu'il fait que sonner. Elle était blasée. Alors, on avait Marie qui sonnait. Il voulait le biberon, il a fait caca, il faut faire la douche, il faut faire la piqûre, il faut faire ci. Moi, je préfère, très fatigué. C'est beaucoup. Hein. Vraiment. Je donnais tout mon amour et tout mon aide. En fait, je l'ai, c'est pas grande. Ouais. Petite. Mais et c'est ça, qu'on met dans bien. Le sac. J'ai la même en grande, elle est trop bien. Ouais. Et ça, les filles, ça coûte genre peut-être 1 euro, 2 euros. Ah ouais ? Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte, il n'y a pas le 15 sous chinois. Je sais pas comment on dit. 15 pounds. Ah, regardez, des barrettes comme ça. Ça, c'est quand, par exemple, tu veux te démaquiller ou te maquiller. Te maquiller. Mais les brosses, franchement, elles sont trop bien. Mais oui, je les ai en grande. C'est trop pratique, ça, pour mettre dans le sac à main, les filles. Mmh. Bim, bam, boum. Regardez, j'en ai déjà une petite. Putain, j'ai des brosses. Non, c'est vrai qu'elles sont trop bien. Et celle-là, je la préfère. J'ai la même en grande. Je vous ai dit une vraie gamine. Ah, moi. En fait, c'est tout moi qui ai choisi et j'ai tout pris en double pour elle. Non, mais ça, c'est pour trop ce... bien ça. Non, mais ça, j'aime trop. Pour ce... En fait, c'est maquillé. Ouais. Et voilà, tout à l'heure, regardez. Je n'ai pas pensé. Mais après, ça ne cherche pas de ouf. Hein. C'est pas, ouais. Pas Apple, ma communauté. Basique, des élastiques. Ouais. J'ai pris 4 paquets pour qu'on ait deux pareils à chaque fois. Samrio et je sais pas. Ah, mais qu'est-ce qu'on a pris? Tu n'as pas honte? Ils sont où les produits? Tu enlèves toutes tes taches? Ah oui, non, c'est Alex qui l'a. Oh là 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 là. Ça, de la bombe. Sur les vêtements. Ça va, tu... Oh non. Mais c'est de l'eau. Non, j'ai... Mais c'est de l'eau, là, oui, mais là. Arrête. C'est une gamine. un spray. Un eyeliner. Ah oui, faut qu'on vous le montre. Le spray. Ah, mais c'est une dinguerie. Qui enlève toutes les taches, toutes les taches de sang. Sur les chaussures. Sur les vêtements, ça c'est Alex. Sur les chaussettes. Les chaussettes encore. Attends, je vais ouvrir la porte à Alex. Ouais, ça c'est moi qui ai pris ces bonbons. Tu fais des petits comme ça. T'as vu dans Toy Story ? Et une crème à l'aloe vera. Le nounours, j'aime trop. Parce que moi, je sais pas parler anglais, moi. Fatigué, moi. Alex, en fait, il m'a ramené l'ensemble que j'ai acheté. Alors, hop. C'est trop beau. C'est canon. Il était en bas et tout ça. La communauté, on s'est fait livrer. Room service en chambre parce que la vérité on est KO technique. This food is hot warm is here. Is food is here. Ça. Ok. Et on... Ah c'est chaud, regarde tu vois. Comme ça reste chaud.
chaud. Comme ça, ça reste chaud. Voilà. Ah, c'est chaud. Aïe, mais bah, il faut arrêter. C'est tarpé chaud. Ouais. Is hot. Yeah. Put you, put me. It's hot. Attends. Yeah. Yes, put, put. On a pris des... Le produit en lui-même. Mais sinon, il y a plein de produits vraiment, vraiment pas chers. Tout ce qui est... C'est pas cher. Ouais, électroménager, vêtements, les perruques, les extensions, tout est... Là, demain, on va aller dans le monde high-tech. Ouais, demain, ça a 1h30 de la monnaie. C'est quoi la ville? C'est Gwanza. Non, alors là, c'est Gwanza. Je me rappelle même pas de ce que j'ai mangé là. Et franchement, c'est sympa. Maintenant, les gens qui viennent en Chine, oui, en fait, la Chine c'est très très grand, mais moi je le savais pas. Vous savez qu'il y a des milliards de Chinois, et vous savez que genre la Chine c'est grand comme l'Europe, c'est mais c'est beau aussi. Et c'est tellement grand que en fait, les départements ils ont des villes. C'est ça. Et moi, j'aurais bien aimé faire la muraille de Chine, mais là où on est, les filles, c'est vraiment une ville de business. C'est mais on va le faire, moi. Je veux le faire. C'est pas touristique. Ouais, moi aussi, je veux le faire. Ah, c'est ouais. Pas touristique. Après, la Chine, c'est vaste. Il y a plein d'endroits touristiques, comme l'architecture, c'est super beau. Mais... Elles pourront directement commander. Ouais. On va vous donner, les filles. On mettra le snap de Alex aussi. Mais comme ça, et moi, on est deux malades, on s'amuse. Voilà. On va dans... Sérieux, ouais. Voilà. Comment tu parlais hein. Vous avez entendu Maëva, comme elle a dit, on est dans une ville où c'est vraiment pour le business, quoi. C'est un truc de fou. Et nous, on est venus pour vous présenter, parce que je sais que voilà, il y a certaines personnes qui n'ont forcément pas les moyens. Quand il s'agit, par exemple, comme des trucs... Oui, les lisseurs, voilà. Comment on appelle ça, tout ce qui est électronique. Voilà, les high-tech et tout ça. C'est pas cher. Voilà, c'est pas cher ici. Et on s'est dit, pourquoi pas venir ici et présenter à notre communauté des bons plans comme ça, où ils pourront payer pas cher, vu qu'on est directement en Chine. Donc là, on va regarder, en fait, on va regarder ce qui pourrait convenir à notre communauté. Voilà. Et comme ça, au moins, on pourra vous proposer ce qu'on trouve intéressant. Mmh. Ce qu'on trouve intéressant, avec des codes promo, bien sûr, et le contact directement de la personne. Comme ça, au moins, vous verrez directement sur Snap. S'il y a des trucs qui vous intéressent, au moins, vous allez pouvoir passer commande. Voilà le but de notre venue en Chine. Ça, je vous ai dit que ce voyage, voilà, c'est pour le travail. Donc, Alex, il nous a contactés, à moi et Maëva, pour venir représenter ce qu'il y a en Chine, en fait. Vu qu'il y a 90% dans le monde qui viennent se servir ici. Donc, pourquoi pas venir et en faire profiter notre communauté, tout simplement. Là, ma communauté, je ne vous le cache pas, là, il est bientôt 1h du matin. Donc, il y a 7 heures de décalage avec la France. Comment vous dire qu'on est très faible et très fatigué? Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Parce que demain, il y a une longue journée qui nous attend. On a de la route. Et de toute façon, vous êtes avec nous, vous nous suivez et restez branchés. Voilà. Droite comme ça. Non, moi, je suis fatiguée avec droite, elle. Mais sa tête me remet là, moi. Je elle était jure. Comme ça, ce matin. Regardez. Elle dort comme ça. Non, moi, je dors comme ça. Elle se met sur moi, elle met ses pieds sur moi. Là, je suis très faible, très fatiguée. Là. C'est quoi? Je vais mettre un coussin qui va nous séparer, là. Ouais. Vous savez ce qu'elle a fait? Ce matin. Ce matin, ils sont venus ramener le petit déjeuner. Donc, ils ont sonné à la porte. Non, ils ont sonné au téléphone. J'ai répondu, elle a fait ça. Tais-moi, je vais le débrancher les deux téléphones de la chambre. Ah, ils vont pas me casser les bonbons, je vais dormir. Ah ouais, ce matin, ça sonnait là, à la porte. À toute patate. Le téléphone, non, moi, je suis très faible, très fatigué, il faut que je dorme là. Vous savez quelle heure il est là? Il est 1h du matin chez nous. Ouais. Bon, ça y est, je suis très faible, très fatigué. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, nous, ça va. On s'est réveillé à 11h. J'ai pris ma douche, je me suis préparée. Là, on nous a ramené le petit déjeuner. Voilà. Il faut savoir qu'on est des grosses feignasses avec Maëva, on n'arrive pas à se lever du lit. Le décalage, j'ai dit à 7 heures de décalage. On est jetlagué. Jetlagué, c'est ça, ouais. Ah ouais, moi je suis fatigué. J'ai eu du mal à dormir cette nuit en plus. Je ne vous cache pas, regardez le beau petit déjeuner qu'on a. Voilà. Pourquoi tu as oublié de prendre ton cachet, Wally? Hein? Tu as oublié de prendre ton cachet, Wally? C'est ça. Donc là.
Et en plus, regardez où les poser, s'il vous plaît. Voilà. Mais hier, comme on parlait, tatati, tatata, bim, bam, boum, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris ma communauté. J'ai pris une bonne douche, là, il reste que Maïva. Non, pourquoi la petite comme ça? Parle-lui, Maïva. Voilà. Parce que. Voilà, je croyais qu'il voulait tout prendre. Dis-lui, Salia. Salia. Et moi, truc plus cher. Tu connais pas. Salia, dis-lui, il n'arrive pas, il prend pas tout. Non, il n'a pas tout pris. Non, il n'a pas tout pris. Il a compris. Dis-lui, c'est toi qui régales, Salia. Hein? Dis-lui, c'est toi qui régales. C'est pas moi qui régale, c'est Alex qui régale. C'est Alex qui régale, peu cher. Alors, Alex, c'est vrai ou pas? Ouais. C'est un truc de fou, ce mec. Il est incroyable, la vérité. Je suis très faible, très fatigué. Il compte les sous. Maëva, on sait même pas comment ça fait. C'est the fruit, c'est ça? Ouais. Salim. In the French. Chancena, Chine. 14 Marseille. Flus in Saint-Saint, là. Saint-Saint? Oui. Il rigole même lui. It's good for the money. Il a pris, il sait qu'il a pris plus, non? It's good for the money. It's for the money, it's good? Ah, il parle pas anglais, là. Attends, il va s'exprimer, il est en train d'écrire. Oh, je vous jure, les Chinois, ils sont trop gentils. Ouais. It's the rest of tip. Ça veut dire quoi, Maïva? It's the rest of tip. Ça veut dire il veut des chips. Ça veut dire quoi? Ah, pour lui. Tiens. Hein? It's a good pour boire. Oui. It's cheap. It's a girl. C'est na. It's une chose. Oh, cher. C'est qu'il s'en a. C'est na. Que ou là? Et c'est qu'il y a. Oh, c'est cher. Et c'est Il est gentil, il a mis dans sa poche. C'est hayo chen zani. Et ce dans, c'est chen tu non, non anglais, c'est French. French. French, française. Oh. Hein? Oh, ok. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Oh. Et c'est une. Class, finish. Et c'est. Thank you very much. Et c'est bye bye. Bye bye. Bye bye. Je sais pas pourquoi il me touche. Ça me fait de la peine, je sais pas. Viens, on met ça là-bas, comme ça on fait une photo avec la vue. Vas-y. Allez. Bon, ma communauté, on a pris un bon petit déjeuner. Bon, là, je me suis lavé les cheveux, toujours avec la gamme Uniquan. Je suis deg parce qu'ils ont fait durer sur la gamme bleue. Et la gamme bleue, c'est une dinguerie. Bon, la jaune, elle est très, très bien aussi. Moi, de toute façon, j'aime toutes les gammes de chez Uniquan. Là, je vais mettre mon soin sans rinçage et je me dis est-ce que je les sèche vite fait et je me fais les plaques ou est-ce que je les laisse comme ça? Voilà, est-ce que je les laisse comme ça? Je sais pas. Voilà. Bien sûr, j'ai ramené mes plaques. Uniquan, c'est la base. Ah ouais, c'est la base. Moi, si je me plaque les cheveux, il faut que je me plaque les cheveux avec ça. Parce que je sais que ça ne va pas m'abîmer les cheveux. Et vu que je les ai bien récupérés, voilà, j'ai pas envie de les abîmer. Et les plaques Uniquan, c'est des plaques professionnelles. Voilà. Donc, j'ai pas envie de m'abîmer les cheveux. Mais comme ça aussi, j'aime bien l'effet mouillé et tout. J'aime bien l'effet mouillé, mais je sais que ça va pas rester effet mouillé. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le soir qu'on a pris hier. Je vais me sécher les cheveux et après, je vais me donner un coup de plaque. Allez. Ma communauté, regardez le packaging, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez. Regardez le packaging. La santé. Il y a le code du jour, je vais vous montrer. Hop. Regardez. Ils font des trucs de malade ici. Regardez. Il est pas canon. Alors, attendez.
Mais ça, c'est the séchoir. The séchoir. Attendez. Avec Maïva, direct, on a dit on le prend. Direct. Vous avez le petit écran, là. Mais si vous voyez la puissance qu'il a, un truc de malade. Je vais les sécher avec. Vous savez quoi, je vais les sécher. Je vais me faire les plaques vite fait le temps que Maïva fait sa douche, parce que Maïva, pour se préparer, elle met 10 ans. Alors, hop. Voilà. Regardez. Il est canon. J'ai obligé de le prendre, moi. Regardez quand je vais le pour mes petites. J'aime vraiment. Là, je vais me passer un coup de plaque, toujours avec une icône. Je les ai visité la France et la Chine et d'autres pays aussi. Et il nous a fait venir ici pour vous présenter des bons plans. Et en même temps, on en profite pour vous faire visiter la Chine, ma communauté. J'aime trop, je me sens trop, trop bien ici. Des bons plans et en même temps, on en profite pour vous faire visiter la Chine, ma communauté. J'aime trop, je me sens trop, trop bien ici. Là, j'attends qu'on m'aille le filmer, de faire sa prière. Je vais faire ma prière. Il va nous tuer, Alex. Là, on va partir à 1h30 de l'endroit où on est. Ne vous inquiétez pas, on vous montrera tout. Oh, trop bien. Ah ouais ? Ah, dinguerie. J'ai la mienne de gamme. T'as pas pris ta gamme? Non, pas du tout. Shampoing sec, tu vas te laver les cheveux? Moi, je me lave les cheveux, le shampoing avec les cheveux. Les cheveux. Moi, il me faut de l'eau. Ah non, pas du tout, c'est pas vrai, c'est une... Non, pas du tout. Bon, moi, c'est bon, je suis prête, on attend à l'aide. Allez, hein. On va y aller, mais je vous cache pas que... Le jet lag. J'arrive pas à le dire. Ça nous a tués. Il faut qu'on rentre tôt. En fait, il faut qu'on se repose bien. Parce que sinon, on ne va pas profiter, en fait. Ah ouais. Bon, c'est bon, on est prête. Ça, c'est... Vous savez qu'elle a tué le Tamagotchi? Oh. Mais c'était perdu d'avance avec elle. J'ai marqué Tamagotchi mort. Mais c'était obligé, elle n'est pas réveillée. Il est magnifique, ce lustre. Voilà, une heure de route. Donc j'ai trop hâte parce que là, on va aller visiter l'entrepôt high-tech. Voilà, l'usine high-tech. Et de toute façon, on va tout vous montrer. Alors, c'est Shenzhen et il y a 1h30 de route. J'arrive. Regardez là l'autre. Voilà. Alors, pour toutes celles qui se posent la question qui est Alex, parce que c'est la question qui revient à chaque fois. Donc Alex, c'est notre guide et surtout, avant tout, notre représentant de presse, c'est ça? C'est ça, ouais. Voyage presse. Ouais, voyage presse. Les usines et en même temps faire visiter la Chine aussi. Voilà. On est des princesses, moi et Maïva. Beaucoup, franchement, rien à dire. Il est au petit soin, Alex.